Ça va et vous? Super. Ouais. D'abord pour écouter les habitants, pour les entendre sur ce qui va dans le quartier, sur ce qui va moins, ce qui est à améliorer. C'est un moment agréable parce qu'avec l'ensemble de mon équipe municipale, on est sur le terrain, dans la discussion avec les habitants, on entend aussi des choses, on se dit tiens, ça demain il faudra faire différemment ou il faudra faire mieux. Et puis surtout on est là pour amener des solutions concrètes pour améliorer la vie de chacun. C'est un quartier où les gens nous disent qu'ils vivent plutôt paisiblement. Interpelle sur des sujets assez concrets, sur quelques questions de stationnement. Par exemple, c'est l'occasion de faire le point, d'évoquer aussi les activités culturelles sur le quartier. La première, c'est la réhabilitation des halls, des immeubles qui nous entourent. Et puis la deuxième, c'est la réhabilitation du square pour enfants qui est derrière nous, qui au fil des années, eh bien, forcément a subi un peu l'usure du temps. Donc c'est l'occasion de dire aux habitants qu'à partir du mois de septembre, ceux qu'on entend pourront profiter de jeux de qualité. Derrière, c'est dire aux Nantais que quel que soit le quartier où on habite, on a le droit à la même intention et que plutôt que de simplement le dire, on le prouve par des actes, par des choses très concrètes.